Eh bien bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne où on continue l'aventure sur Satisfactory. Et j'ai découvert ici, tout au-dessus, vous voyez bien sur la carte, là où je suis, on me l'avait demandé de montrer la carte, un gisement de ME pur. Donc on va voir un petit peu tout ce que l'on peut avoir, j'en ai ramené pas mal. On va redescendre, et là-bas j'ai autre chose, donc on va redescendre vers notre base. Et ensuite, on va revenir ici pour venir voir un petit peu ce que peut nous donner ce gisement au niveau découverte, à savoir que c'est la ressource la plus rare du jeu. Donc, c'est ce qui est censé nous donner le plus de bonus. Mais on va voir ça tout de suite. Hop, on retourne vers la base tant bien que mal. Et ensuite, on va se refaire un trajet pour aller jusque-là. Ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, on explore au passage. Et ça nous permet d'apprécier aussi tout ce qu'on a réalisé jusque maintenant. Bon, là, j'ai encore des gisements à exploiter. Hop, toi, je te prends tant qu'on y est. Ça va, j'ai de l'espace. Nous voici à la base. Donc, on n'est pas vraiment très loin de la base, hein. Donc, on va voir un petit peu les découvertes sur la EME. On est technologie extraterrestre. On a besoin de ceci. Comme ça, on va pouvoir les scanner. Là, du EME réanimé. Strange alien matter analysis completed. Dormant crystalline SAM can now be found with the resource scanner. In its dormant state, it is safe to handle without special equipment and can be stored indefinitely. Research for enabling the reanimation of dormant SAM is now available. Fill the rivers with blood and let the effigies defy life. Je peux le faire moi-même. Donc on va se faire un peu d'espace. Tac. Sam reanimation recipe unlocked. Sam can now be safely awakened, provided it is contained. Meaning, if not contained in special electromagnetic storage, it tends to start breaking atomic bonds of any matter it has physical contact with, and reconstructing it into easily transportable resources. Scripture and blood compose harmony. Follow our hallowed temple halls and listen to the echoes of your ripples. Our bones are more beautiful than yours. Alors, je vais avoir le fluctuateur. Relais du dépôt. Donc, normalement, on devrait pouvoir. Faire un stockage où tout va être lié. On en reprend 500. Mais y'a pas à dire, c'est pas mal quand même ce tube. Ici, hop, on lance la recherche. Sam fluctuator recipe unlocked. The fluctuator un accélérateur, ok. Amplificateur de production. Donc ça va nous permettre d'augmenter la production aussi. Ça va être pas mal du tout. Et là, relais, j'ai besoin de 11. Est-ce que je peux le crafter moi-même? Oui, je peux en faire 12. Donc on va aller chercher, hein. On va aller exploiter cette ressource juste après. Your threads shift solid to flow into a tapestry, matter, 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 and mind and melody. On fait encore un. Et ceci. Voilà, je pourrais déjà le faire, exploitation d'énergie, là j'aurais pas assez pour l'instant. Pour avoir le relais du dépôt. Dimensional depot unlocked.
SAM can be utilized to deconstruct matter down to its chemical elements in one dimension, and the Mercer sphere allows it to be transferred and stored in another. Once parts are fed into the dimensional depot, they can be accessed by the Pioneer inventory and build gun system at any time, anywhere. We see through the window. It is pathetic. Consume more blood. The glass will not shatter, the metal will not bend, the wood will not splinter. Weave. Ok. Alors, est-ce que je l'ai quelque part ici? Relais du dépôt. Ouais. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder pour la production. Une foreuse en MK2. Qu'est-ce qui me manque? Deux petites foreuses et des tuyaux en acier. Ok, maintenant pour ça, ça et en béton, j'ai combien? 379. Bon, j'ai peut-être pas assez de béton. On va chercher des tubes, on va essayer d'exploiter ça. Déjà essayer de les rejoindre, ce qui ne sera pas une masse à faire, je pense. Ok. Et je ne sais pas si j'avais terminé le tube ici. On va en profiter pour voir si on l'avait terminé ou pas, mais le EME m'intéresse fortement. Si je ne l'avais pas terminé, il ne me manquait pas grand-chose. Hein. Non, je l'avais terminé. En même temps, vous voyez le trajet avec moi. Une belle petite route, hein. D'où vais-je pouvoir partir? Pour les rejoindre. On va partir de là. C'est pas très RP, je vous l'accorde. Mais ça a le mérite d'être pratique. On va passer par la droite là-bas pour avoir le disque dur.
ça devrait être bon. Ah, il manque des plaques. Ouais, je vais chercher ça, on revient tout de suite. Bon, nous y voilà, petit problème. C'est que là-bas, c'est chaud, point de vue radiation. Donc on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, pour l'instant. Ce sera pour plus tard. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller là-bas. J'aimerais même bien... le relier. On va quand même le mettre là. C'est pas perdu. Allez. Là, on est à la bonne hauteur. Ça, on ramasse aussi. Production foreuse. Je vais me mettre là pour voir dans quel sens elle va venir. Là. Quelle va être sa production? 240. 240, c'est censé être celui-là. Bon, on va prendre du MK2 pour commencer. Et on va descendre jusque là-bas. Alors ici en dessous, on va commencer l'exploitation du produit. Tac, tac. Non, une fonderie peut-être, ou un constructeur. Je vais regarder un petit peu lequel des deux. Voilà, c'était bien ça qu'il fallait, le constructeur. ...120 par minute, pour en faire 30.
organisation, conteneur industriel, comme ça c'est réglé, on aura la dose. Il faudrait que j'améliore tout le circuit. Pas me manquer grand chose. On voit rien du tout. Voilà, donc je peux en remettre un deuxième. Logistique, répartiteur. Production, constructeur. Je vous prie de m'excuser. Votre serviteur n'est pas totalement guéri. Conteneur industriel. Là. Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai quand même me casser la tête, vous voyez. Donc hop. Voilà, comme ça, ça va se stocker là-bas au-dessus. Déjà 62. Et le reste suit. Et ça va bien suivre, donc ça va bien produire. Regardez à quelle vitesse ça arrive quand même. Et alors, on a aussi les connecteurs à haute vitesse qu'il va nous falloir faire la recherche, qu'il va falloir planter quelque part. Mais on n'y est pas encore. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir à la base et voir les nouvelles recherches qu'on pourrait faire. On va regarder pour faire le relais du dépôt, voir un petit peu ce que c'est et ce que ça nous donne. Parce qu'ils nous disent que tout ce qui rentre dedans, en fait, on va l'avoir accès partout. Donc je vais là déposer les objets envoyés dans le dépôt, si je mets ceci. Il faut un certain temps pour les avoir. Ok, si je fais ça, ça me dit quoi? En fait, c'est ça qu'il faudrait que je sache. Ah ben oui, vous voyez qu'il y en a dans le dépôt. Donc, il faudrait que je charge ici différentes ressources. Pour qu'elles soient... Vous voyez, ça, allez, la limite augmente. Donc, il y a ce que j'ai sur moi et ce qu'il y aura ici dans le dépôt. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il faudrait limite que j'en fasse plusieurs. Mais pour ça, il me faut des sphères de Mercer, et je ne pense pas que j'en ai d'autres ici. On va aller voir dans le stockage là-bas. Parce que c'est pas mal d'avoir accès à ces ressources-là tout le temps. J'en ai une autre. Il m'en faut 10 à crafter, et je vais pouvoir mettre plusieurs ressources comme ça. Et c'est top, hein. Sincèrement, c'est top. Je dois juste aller rechercher encore des petites pièces comme ça. Je fais ça tout de suite et j'ai une petite idée derrière la tête. Bon, je reviens ici à la base, hein, là où je fais ma production. Et je me dis, voilà, ça je récupère. Si maintenant je venais en organisation de faire un relais du dépôt, il me manque du fil électrique. Ça m'embête. Ça m'embête, il va falloir que je refasse des
tour, malheureusement. Bon, on y évite. Hein. On y évite. Là, il va falloir que je fasse des obélisques. À part ça, parce que il y a une larve à aller rechercher. Je me demande si la ressource que j'ai là-bas au-dessus, si je la mets dans le cloud directement. Est-ce que je vais y avoir accès tout le temps, même pour les crafts de base? Vous voyez, quand on modifie un craft, est-ce que ça fonctionne? Après, je peux la faire rentrer, je peux pas la faire sortir. Donc, je ne pourrais pas lui dire... Vous voyez, prendre d'un côté, l'envoyer de l'autre, en tout cas dans l'état actuel des choses. Donc ça devrait rester du craft manuel. Parce que, regardez l'idée que j'ai, donc ça je vais le retirer. Si je te mets toi, est-ce que de là, je n'ai pas l'air d'avoir accès, vous voyez, à ceci. Ah si, ça le met dans le cloud. Donc ça pourrait fonctionner pour le craft, mais en manuel. Est-il possible, accélérateur? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il serait possible de le sortir? Permet l'envoi depuis l'inventaire, ça m'intéresse ça. Vitesse d'envoi, ça aussi. Mais permet l'envoi depuis l'inventaire, il me faut 17 ordinateurs. Je me demande si les ordinateurs, je ne les faisais pas ici au-dessus. C'est quoi la recette pour les ordinateurs ? Je ne sais plus la recette pour les ordinateurs, mais il faut la façonneuse, hein, je pense. Et on ne la fait pas, on ne le fait pas encore les ordi. Non, on ne fait rien avec la façonneuse. Donc, on ne fait pas encore les ordinateurs. Je pense que je vais faire des ordinateurs. Non, reviens en arrière. Bon, ok. C'est mal foutu avec le stockage qui est là. Faut quoi pour les ordinateurs? Tac, 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 tac. Ordinateur plastique. Ben si, je dois le faire quelque part là-bas au-dessus. Ou alors j'avais prévu de le faire. À mon avis, j'avais prévu de le faire, mais je ne l'ai pas fait. On fait les circuits imprimés. Je devrais pouvoir faire les ordinateurs. C'est peut-être pas grand chose 12, hein. Ouais, je fais ce qu'il faut en ordinateur et après on va voir si je peux l'envoyer depuis l'inventaire.
Une chose qui va être intéressante à regarder aussi, c'est est-ce qu'il consomme d'abord ce que j'ai sur moi ou ce qu'il y a dans le stock virtuel. Là, mes 4, ils sont pas consommés. Hein. Il les a consommés vraiment qu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Donc ici, augmentation de la pile de 1. Ça pourrait être intéressant. Mais là, j'ai permis l'envoi de pile inventaire. J'ai envie de voir ce que c'est. Je suis désolé. Ok. Manual depot uploader unlocked. Storage dimension and pocket dimension now connected both ways and stable. Parts can now be uploaded to the storage dimension directly from the inventory. Note, the storage dimension now understands the boundaries of the pocket dimension and recognizes the distinction between matter belonging to the pioneer's inventory and matter belonging to the pioneer. Là, je suis en train d'envoyer depuis l'inventaire. I'm sure strange is the correct term for what this must feel like to you. Il y a des choses que je peux détruire ici, j'ai du coke de pétrole, j'en ai pas besoin. Et là, je suis en train d'envoyer depuis l'inventaire. Est-ce que je peux envoyer depuis l'inventaire et depuis ici en même temps? Oui, ça se fait. Mais c'est top. C'est franchement top. Du coup, il faut que j'en recrafte un là-bas. Parce que maintenant, est-ce que j'ai accès dans l'autre sens? Si je reprends les rotors, je peux les reprendre. Mais franchement, c'est top. Il me faut plus de sphères. Il faut plus de sphères. Est-ce que je peux crafter un scanner pour aller chercher les sphères? Est-ce que je peux scanner les sphères? Tac, tac, tac. Là, ok. Oui, je peux scanner les sphères de Mercer. C'est top. Parce que je vais vraiment partir à la chasse. Aux sphères. Là-bas au-dessus, il y en a une. C'est top. C'est top parce que du coup, maintenant, j'ai envie de faire plein de recherches. Oui bon, je me doute que c'est là-bas au-dessus, mais j'ai pas envie d'aller chercher là-bas au-dessus. Mais ça donne juste envie de partir en explo en fait. Alors, on est en bord de carte, faut pas s'attendre à en avoir ici. En fait, il y en a pas mal. Il y en a
pas mal de ces petites sphères. Continuons un petit peu d'explo. Ouais, je l'ai vu. Ce qu'ils ont rajouté avec ça et les possibilités surtout. Bon, là j'en ai ramené combien? Je suis à 5 et là ça se stack. Bon, après c'est pas énorme, c'est que 200 hein, mais voilà, ça peut nous dépanner le temps qu'on améliore le stockage. On va essayer de s'en choper encore une. Allez, on va voir si on va pouvoir se crafter avec ça. Mais oui, ça donne vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment envie de repartir en explo un petit peu dans toutes les zones. Ici, il n'y en a pas du tout. Je vais vous avouer qu'à mon avis, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas du tout ici. Ou alors j'ai déjà tout ramassé, je sais pas. Voilà, ne me dis pas que sur un truc comme ça, il n'y en a pas. On est en bord de carte, hein. Ça n'aide pas non plus. Ok, il y en a un dans ce coin-ci. Ça doit être là-bas au-dessus. C'est pas grave, viens m'exploser dessus. Vous avez vu à quel point je suis mauvais quand même en FPS. Bon allez, on retourne à la base et on va voir ce qu'on va pouvoir se crafter de mieux. J'ai envie de faire la recherche sur l'amplification de la production, voir ce que ça va donner. Voir si je vais pas avoir besoin de la deuxième Summer Sloop pour pouvoir le faire. Et parce que ça peut être intéressant. Production amplifier unlocked.
Every single manufacturing and smelting building will be backwards compatible with this new technology. These buildings can now have a summer sloop embedded to increase resource output without requiring more input, at the cost of greatly increased power consumption. Il me faut un summer sloop, je ne sais pas si j'en ai en stock. Le problème est là. Oui, j'en ai un en stock. I think they're trying to explain energy to matter conversion theory, but you do not need to understand it to do your job. I'll just mute them for you so you can continue your mission. I, however, will be taking notes. This is fascinating material. Il en faut deux pour certaines unités. Là, il en faut un. Là, je suppose qu'il en faut deux parce que c'est deux. D'accord. Donc. Je vais vérifier ça très rapidement. J'ai pas vraiment de lignes qui sont plus lentes. Hein. J'ai tout optimisé. Est-ce que je peux le faire sur une mine? Sur une mine, je ne peux pas. Et là tout est... Enfin, c'est embêtant, c'est que j'ai bien optimisé ma production. Ah mais non. J'ai ma petite idée d'où je pourrais faire ça. Si je le faisais de l'autre côté là-bas au-dessus. Mais en même temps, faudrait que je regarde pour organisation ça. Ouais, je vais pouvoir le faire de l'autre côté. Parce que je vais les crafter de l'autre côté. Et en fait, je vais le mettre directement dans le cloud. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que j'avais déjà mis des barres métalliques. Et j'ai voulu en remettre. Voilà, et je vais voir si, une fois arrivé au-dessus, une fois que j'atteins 200, qu'est-ce qui se passe. Sachant que ma limite est à 200. Je trouve ça un petit peu dommage, cette limite. Ce serait bien de pouvoir l'accélérer. Enfin, l'augmenter. Et alors, l'accélérateur, en fait... J'ai regardé aussi, le petit problème de l'accélérateur, c'est que il faut du summer sloop. Et c'est avec les summer sloops qui les bombardent pour créer de l'énergie. Donc, est-ce que c'est une énergie, voilà, infinie? On verra ça, à mon avis, par la suite. Parce que je vais pas m'arrêter là, hein. Maintenant que je suis rentré dans les trucs extraterrestres. J'ai franchement envie de découvrir cette partie-là qui n'était pas disponible avant la version 1.0. Hein. Allez, arrive vite jusque là, on va se crafter ça, on va se faire une boîte pour les mettre dedans. En même temps, j'aurais pu reprendre celle qu'il y avait en bas. Mais j'ai d'autres projets en fait, j'aimerais bien mettre chaque ressource dedans. Un stack de 200. Et là, vous voyez, j'ai atteint la limite, donc il ne le fait plus. Il passe à l'autre. Ok, une fois la limite atteinte... Il ne le fait plus. C'est pas forcément plus mal. C'est pas forcément plus mal. Là, on va remonter. Et 200, c'est quand même pas mal parce que quand je vais pouvoir y mettre les ordinateurs, les moteurs, ben ça fait quand même... Allez, en ordinateur, 200, c'est une belle quantité, hein. Puis il va falloir doucement que je pense à terminer cette phase 3 aussi. Voilà, on vient ici, on fait ça. Ah, j'ai peut-être pas les ressources. Si. Je les ai heureusement. Et si vous regardez, pour l'instant, il ne prend pas encore celle que j'ai sur moi, mais il a d'abord pris celle que j'avais en stock. Et ça, c'est pas mal du tout. Franchement, ça, c'est agréable. Parce que ça va donner d'autres petites possibilités. Hop, le
comme ça, automatiquement, il va les envoyer. Plus besoin de se casser la tête. Et ça, c'est top. Par contre, j'avais une sphère. De Mercer ici dans le coin. Mais je ne sais pas où. Ok, il faut de la dynamite. Il détecte un summer sloop dans le coin, ça m'intéresse. Le pire, c'est que je l'entends. Hein. Ça doit être là en dessous. Je vois que ça. Mais bon. Il n'y a pas aussi, c'est dans le rocher, ça on l'a vu. On exploitera ceci plus tard. Eh bien, je ne suis pas déçu du tout de cette découverte avec ces nouvelles recettes. Sincèrement, je trouve ça très sympathique. Et ici, les radiations, ça va bon train. J'ai cru que j'allais me prendre un mur. Enfin, prendre un mur. J'allais me ramasser avec mes bêtises. Je comprends, c'est jamais perdu. Donc maintenant, je peux augmenter à la sortie avec un summer sloop. Il m'indique un summer sloop par ici aussi. Je veux bien, tu m'indiques qu'il y en a un ici, mais... J'aurais une limace, c'est déjà ça. Mais c'est pas ça que je visais. On va retourner gentiment jusqu'à la base. Moi, je vais continuer mon petit travail là-bas sur le côté. Ah.
J'avais pas vu le disque dur là-bas. Bon à savoir, faudra que je recherche. Faudra que j'aille le chercher. Et là, ils sont en train de se mettre tranquillou. EMA, c'est jusque 100 seulement. Barre de fer, 200. Pourquoi c'est 200 les barres de fer? Ça, c'est peut-être une première modification. Bon, il y en a qui sont à 100, il y en a qui sont à 200. Soit. Sur ce, les amis, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dirai à la prochaine. Allez, bisous, bisous, au revoir.